Salut les frères, aujourd'hui je présente le sponsor de cette vidéo qui est AOEA sur ce site. Vous pourrez avoir tous les skins Rocket League, le lien est dans la description, utilisez le code SHEPS pour moins 6%. Et ouais les gars, les affaires sont les affaires. Je sais absolument tout faire. Roxaru, un conseil, si tu potes ta meuf juste avec ton index, elle va te tromper. Moi, c'est juste qu'on m'a dit de passer le boost sur R1 comme si je jouais normal, mais moi je suis habitué à jouer comme ça. Donc, Au contraire, ce serait me mettre des bâtons dans les roues de mettre mon boost sur R1. Le chef, je te regarde en cours, c'est pas très bien, mais bon, écoute, au moins tu fais des viewers, ça fait plaisir. Ah, le mec s'appelle Cornflakes with Water. Il y a vraiment des gens qui mangent des céréales avec de l'eau et pas du lait, genre. Ça existe ça? Je te vois, The Bignou. Mais non, mais non. Non, j'ai pas vu Astro. En pro, il veut FF, c'est trop du cul. Vas-y, on voit. Mais t'es nul, 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 t'es un nulard. Et fais la passe. Wow. Si compliqué, genre la passe, elle est dans mon dos, genre que, comment tu veux que je la frappe? Il ose m'envoyer beau tir, genre. Si tu veux que je fasse de plus sur ta passe dégueulasse qui va à 2 à l'heure. Fais une bonne passe, tu veux que je tire bien. J'aurais tenté. Qui ne tente rien n'a rien. Ok, ça se prend mon mate, faut y aller vite, faut y aller vite, faut y aller vite. Le retard, allô? Ça fait mille fois qu'il peut y aller mon mate, il y va pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Mais il me saoule! Oh j'en ai marre, il est horrible! Il est toxique et nul! Oh, ça me saoule! Ouais putain, merci. Au moins un peu de chat quoi. Parce que vraiment le mate que j'ai c'est une catastrophe. Oh là là. What a save. Et il saute à côté de tout ce qui est possible de sauter à côté. Mais regardez, mais mais j'ai envie de pleurer. Putain, il est trop nul et il me trash talk depuis tout à l'heure. Il touche pas une balle depuis tout à l'heure. Ah mais comptez le nombre de balles auxquelles il est passé à côté quoi. Ah mais je serais obligé de le spec après juste pour voir son gameplay parce que c'est pas possible qu'il rate autant de choses. En tout cas je vous garantis que j'en peux plus. Hein. Je souffre grandement. Heureusement on gagne 3-2 hein, parce que vraiment j'aurais pleuré. Hein. Si vraiment on était en train de perdre, je serais tilté de ouf. Il ose mettre GG alors qu'il a été toxique toute la game. Laisse-moi voir le replay. C'est lui là. Oh non mais pourquoi à chaque... Non mais c'est trop. À chaque fois que je DL un replay, le mec a la cam comme ça. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est ouf. On est d'accord que ceux qui ont l'habitude de regarder mon live, je suis sur une série de 5 mates d'affilée. Quand je regarde le replay pour comprendre pourquoi il a été nul, je vois une caméra comme ça ou comme ça. Genre c'est quoi ça? À chaque putain de fois. Waouh, quel gameplay. Bon, en fait je comprends pourquoi. Non mais je pense qu'il est boosté. Genre 100% il est boosté en fait. Genre ça, il a mis 2 buts au début et je pense que c'est des buts qu'il a mis genre sur kick-off, comme là par exemple. Et après là, bah... Non, je comprends mieux. Ce mec était toxique, hein. Cette personne était toxique, regardez bien. Ah mais regardez bien, parce que c'est... Faut en parler, quand même. Je rêve où il a fait un kick-off autoroute. Ok, je me fais trash talk par des mecs qui font kick-off autoroute, tout va bien. Super. Bon, sa caméra, déjà, en plus de me donner mal à la tête, vraiment... Vraiment, elle est pas opti, quoi. Ouais, non, mais... Vraiment, en fait, il a mis 2 buts, je comprends pourquoi il avait des points. Il a mis 2 buts, ces 2 buts, c'est des open que je lui offre. Ok, bon. Bien joué à lui. Vraiment... Kick-off autoroute à 9, de ouf. Les gars, vous pouvez dire coucou à YouTube. Hein. Là, je pense que ça va passer, ça. Là, pareil, vous voyez, non mais regardez. Je suis à l'offensive. Regardez où il est. Hein. Alors, je veux bien que t'as pas de boost. Mais bon, frérot, ça fait 1000 ans, t'es à 0. Qu'est-ce que t'attends? Là, regardez la distance. Je peux lui faire 1000 passes qu'il les aurait jamais. Bon. Je préfère ça plutôt que le mec se jette sur des ballons qu'il faut pas. Bon là, non mais il sait pas ce qu'il fait de la balle en fait. Genre vraiment il est full perdu en fait. Il est passé de C3 lui, c'est pas possible. La pire frappe. Bon, après c'est pas le plus horrible hein, mais le problème c'est surtout qu'il est toxique. Il est pas ouf, vraiment très loin d'être fort et toxique. Oh putain le kick-off que j'ai... Le kick-off, le dégagement que j'ai sorti il était incroyable en vrai. Non mais cette action les amis. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on prend un but.
Bien joué à lui. Deuxième but par sa faute. C'est beau. Non, c'est beau ce qui se passe. Hein. Là, je sais pas ce qu'il faut au kick-off. Ah bah, il troll. Hein. Là, il était en mode... Ah oui, il avait FF, là. Là, pour l'info, les gars, il y a 2-2. 2-2. Ok, 2-2. Les deux buts, il les marque grâce à moi. Ok. Et les deux buts, on les prend à cause de lui. C'est bon pour vous? Il y a 2-2. Il a FF. Il a FF. Hein. Il a voté pour concéder. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire FF. Cette personne a voté pour concéder et a arrêté de jouer au kick-off. Après, il s'est dit, bon, j'abuse un peu peut-être. Et là, il se met à jouer. Mais il avait arrêté de jouer. Non, mais c'est chaud quand même. Vraiment, la communauté Rocket League me donne envie de dégueuler. Genre, vraiment. Mais regardez-le! Il est si naze. Mais c'est quoi ça? Mais regardez ce qu'il fait sur le mur avant. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Tu vois bien, tu le vois le mec. Je suis sur sa caméra, y a pas d'excuse. Si je le vois sur le replay, tu l'as vu pendant la game. Tu le vois qu'il y a un mec derrière toi qui va te bump. Alors qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, appuie sur A, fais un truc. J'en sais rien moi. Fais quelque chose. Ah mais les gars, par contre, on est d'accord qu'il voit absolument rien. Genre là, il lève la balle. À partir de là, il ne sait plus où est la balle. Genre regardez, même lui il est perdu. Je vous jure, quand il a changé la caméra, regardez bien son mouvement de voiture quand il change la caméra. Même lui il est perdu, il fait gauche-droite, il fait oula, je suis où déjà? Regardez, regardez, à quel point sa caméra pue la merde. Oh putain, je suis où? C'est à droite. Et après il me fait la pire passe du monde. Et là, je me rappelle, il m'a dit beau tir. Regardez sa passe, s'il vous plaît. Déjà il a raté, hein. C'était pas censé être une passe. Et regardez la lenteur de la balle. Je suis obligé de vous le montrer comme ça parce que de son angle on le voit pas trop. Regardez, hop, je la tire comment celle-là? Vous voyez le demi-tour que j'ai à faire pour la frapper? La passe est tellement lente que je suis obligé de tourner pour aller la chercher, donc voilà. Une bonne passe, c'est une passe assez puissante pour qu'elle passe devant moi et je la tire tout droit, ok? Or là, c'est une passe de merde, je suis obligé de tourner pour aller la chercher. Donc là, il me dit beau tir, mais je peux pas faire mieux, en fait. Il a dit beau tir sur la pire passe du monde. C'est comme si le mec me donnait une merde de chien dans la rue et me disait « Tiens, transforme-la en or !» Ah, t'as raté ? C'est resté un caca, le truc que t'as donné, que je t'ai donné ? Et bah, t'es vraiment nul ! Bah non, t'es juste un connard de me donner de la merde, en fait. Bon, évidemment, il est au cage à chaque fois que je suis en attaque. Joli dégagement, voilà. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais bon, joli dégagement. Hein. Pas mal, vraiment. C'était vraiment ignoble, mais bon. Le mec connaît même pas ses dashs, donc c'est-à-dire qu'il dash dans le mauvais sens quoi. Eh oui, les 1 euro. Abonnez-vous au chef si vous voulez devenir sexy comme lui. Écoutez bien les gars. Et le mec pensait que vu qu'il avait mis 2 buts et il appuyait sur tab et il voyait qu'il avait beaucoup de points et 2 buts et que moi j'en avais qu'un à ce moment-là, donc il se permettait ou 0 juste avant. Donc il se permettait de me trash talk parce que je lui ai offert 2 buts et que c'est lui qui les a mis et il avait juste à les pousser au fond quoi. Mais bon. Bien joué. Moi, pour moi, il est P3. Ouais, P3, je dirais. P3, non, pas or. Parce que quand même, il sait faire un minimum d'aérienne, il va chercher les ballons sur les murs quand même. Bon, là, par exemple, vous avez vu sa défense. Non, mais heureusement que je l'ai, hein. Heureusement que je l'ai, parce que c'est pas lui qui m'aurait aidé, hein. Regardez mon arrêt de malade mental. Hop, là, je passe juste devant et je la sors. Mais lui, là, il aurait fait quoi, là, vraiment? Non, mais regardez cette défense, quoi. Genre, c'est comme si, genre, je mettais une balle à 10 mètres au-dessus et lui, il essayait de l'attraper en se penchant. Oh! Bah non, t'es con, enfin saute. Vraiment, j'ai pas les mots quoi. Enfin bref, jolie aérienne encore une fois. Bon là, là vraiment, c'est vraiment, il a raté. Il a fait, oh je peux encore la toucher, la chance. Et du coup, il a boosté, il a juste à booster tout droit. Donc là, pas besoin d'être un génie pour la toucher. Là, il saute à côté, hein, évidemment, on s'y attendait. Bien joué à lui. Ah mais il s'est même pas touché un ballon en sautant du mur. Genre là, par exemple, au lieu de la faire à l'adversaire, bah, qu'est-ce que tu fais, à ton avis? Ah, t'as un ballon comme ça. Lui, il te l'a fait. Tu attends. Et tu fais pas la passe comme ça. Ou du moins, tu tires plus fort et à un endroit où il y a personne. Là, il lui fait littéralement la passe. Encore, je suis gentil. En soi, tu la contrôles. Non. Bon, là, encore une très belle aérienne de sa part. En fait, à chaque fois, genre, il donne tout pour aller dans les airs. Et une fois qu'il arrive au ballon, il fait une passe. Parce qu'il a. Mais il galère à faire une aérienne. Donc, forcément, il met pas de puissance et il refait une passe à l'adversaire à chaque fois. Et ce mec me trash talkait, il me disait beau tir, belle passe, quel arrêt, genre que des trucs comme ça. Mais tu... Enfin, pourquoi tu me trash? Pourquoi tu FF à 2-2 alors que c'est toi qui es nul? Genre je comprends pas. Toxique et boosté. Genre comment c'est possible? C'est quoi cette communauté horrible? Clairement. Non, encore une fois, merci à lui pour son aide en défense, hein. J'ai encore dû tout faire tout seul. Vous avez vu sa game? Pour vous, est-ce que ce mec est légitime de me... Trash talk dans la game et de FF à 2-2. La game comme ancien pseudo, no shitmates, please Psyonix. Ah ouais, non, mais il est horrible. Oh.
nul, boosté et qui se remet pas en question. Voilà, parce que des fois il tombe avec des mecs comme moi qui vont le booster sur une game parce que on va prendre la game sur notre dos. Quand il a un mec qui fait pas tout le taf à sa place, et bah il se plaint et il dit que c'est la faute de ses mates. Et c'est pour ça que le mec est toujours nul, a toujours une caméra comme ça et qui comprend pas que c'est absolument pas méta et que personne joue comme ça. Qu'il saute à côté de tous les ballons, il fait les pires décisions, il a une rotation horrible, des placements horribles. Quand on est en attaque, au lieu d'être là pour reprendre une passe, il est complètement en train de prendre les deux boosts chez nous. Enfin, il fait n'importe quoi. Il est full perdu. Tu me dis, il serait platine 3. Il a le droit. C'est son niveau. Mais là, frérot, de 1, t'es toxique. De 2, t'es boosté. Et de 3, t'as rien à faire là. Donc, vraiment, ne parle pas. Sois nul en silence. C'est tout ce que je demande. Mais c'est quand même grave, quand même. Genre de tomber là-dessus. Mais moi, ça me fait chier de l'avoir fait gagner. Je vous le dis, ça me fait chier.